Eh bien oui, c'est un homme en retard, mais c'est parce que nous avions le nous avions le cours Zoom et c'était vraiment sympa. Et après ça, bien sûr, j'ai eu comme d'habitude quelques problèmes techniques, mais c'est pas très très original. Donc je vois qu'il y a beaucoup de monde et puis ça fait plaisir. Donc nous allons commencer. Alors attendez, parce que bien sûr, comme d'habitude, on va commencer avec à vous la parole. Alors attendez, eh ben oui, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien parce que ça, on l'avait déjà fait avec les gens dans le Zoom. Excusez-moi, c'est une petite répétition, mais ça va me donner la possibilité de vous préparer le reste du cours et ce sera de la qualité. On y va. Alors, donc, bonsoir Bizarre Chelou, bonsoir Maria, bonsoir Bakri, bonsoir Alima, bonsoir Isobel, bonsoir ou re-re-bonjour ou bonsoir Classis, ensuite Anas est là, Ikwikram est là, Judith est là, Armadep est là, Victoria est là aussi, tiens ça fait plaisir de vous voir, très bien, bah, écoutez, je salue tout le monde. Je vois si, est-ce qu'il y a les autres, donc Ice Cube c'est là, c'est dommage hein, vous n'avez pas participé à notre cours Zoom et ça aurait été sympathique, mais bon ben c'est comme ça. Bickert est là, Ashley est là, très bien, on ne saura pas si Ashley éternue moins, s'il souffre moins de ses allergies, il ne partage plus des choses là-dessus. Ensuite, Sin, si tu es là aussi. Sid Game, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Youpi, elle est là. Johan Mao est là aussi. Cosmina Bellou est là. Bakri est là. Amir est là. Mon Dieu, il y a beaucoup de monde. Akanksha est là. Vous avez Akanksha, j'arrive à prononcer votre nom maintenant avec une facilité incroyable. Bon, allez, on attaque. Isobel est la première personne à nous dire si j'avais plus de temps, j'aimerais bien apprendre toutes les langues parce que c'est ma passion. Est parfaitement écrit, Isobel, pas de problème et c'est très bien. Abir, donc ça, on l'avait déjà. Alors, ah non, Abir, elle a changé, c'est pas mal. Si j'avais plus de temps, j'aimerais bien apprendre le japonais et l'italien, d'accord. Monsieur Jlabia, bonsoir. Bonsoir du Soudan, bah écoutez, participez et bienvenue dans le cours. Halima nous dit, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien aider ma mère à la maison parce que c'est difficile pour elle de faire tout ça seule. Et parfaitement écrit, félicitations, alors là, je dis bravo. Akanksha nous dit, j'aimerais bien apprendre toutes les langues du monde, parce qu'alors je pourrais découvrir de nouveaux auteurs et livres, et ça c'est vrai que ce serait pas mal. Très bien écrit aussi. Alors Méron nous dit, si j'avais plus de temps, j'aimerais, faites attention Méron, vous étiez un petit peu généreux, il n'y a pas de M après le A. J'aimerais bien dessiner parce que j'aime l'art. Ça, c'est parfait. Maroua, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien apprendre à jouer de la guitare car je l'aime bien. Ouais. Souvenez-vous, Maroua, apprendre à faire quelque chose. Hein. N'oubliez pas la préposition à. Bickert, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien changer le corona en forme parce que les gens ne. Oui.
Alors attendez, n'est rien pas mourrier, ne mourrait pas. On va le mettre au futur, ne mourrait pas. Bickert. Judith, lire un livre parce que j'ai acheté 3 mois avant. Ah, il est jamais trop tard, Judith. Hein. Il faut prendre son temps. Il y a mon verre qui est à côté. Je fais faire attention. Ice Cubes. Si j'avais plus de temps, j'aimerais bien écouter Vincent parce qu'il a une voix très tranquille et naturelle quand il parle français. Oh, ben ça c'est gentil. Merci beaucoup. Simone. Bonjour du Brésil. Bonjour Simone. Écrivez une phrase s'il vous plaît. Victoria. Si j'avais plus de temps, j'aimerais bien apprendre la cuisine. Parce que c'est, ouais, faites attention Victoria, parce que c'est, et là vous allez l'écrire c'est apostrophe est, ok, c'est ce que j'aime, il manque le c'est. Sin situ, si j'avais plus de temps j'aimerais bien apprendre le français, parce que j'habite en France et ça m'aide de bien parler français, bah oui. Pas de problème. Ashley, si j'avais plus de temps. Bah, surtout qu'Ashley, il avait parlé de procrastination toute la journée. Donc je pense que vous aviez le temps, Ashley, aujourd'hui, non? Je pense que personne n'aura jamais une opportunité comme maintenant. Bah justement! Mais en même temps, j'ai l'impression que vous n'étiez pas très efficace aujourd'hui. Est-ce que je me trompe, Ashley? Alors, Bakri, je suis très heureux d'être avec vous. Nous aussi, on est très heureux que vous soyez parmi nous. Donc, participez au cours, s'il vous plaît. Joseph, rebonjour. Donc, Michel nous dit, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien faire du ski nautique. Faites attention, ski, c'est masculin. Donc, le ski est donc par extension du ski nautique, mais je n'ai pas de bateau à ma disposition et il faudrait que je trouve quelqu'un afin de me l'apprendre. Cosmina Bellus, je crois que je dispose de beaucoup de temps en ce moment. Et ça, c'est honnête. J'aimerais bien être plus occupé comme j'étais avant. Maintenant, j'ai l'opportunité. Ouais, c'est avec avoir, Cosmina Bellus. J'ai, donc J'AI, l'opportunité de faire beaucoup de choses. Ah, vous avez corrigé. Très bien, excusez-moi, j'avais pas vu. Classis nous dit, alors si j'avais plus de temps, j'aimerais bien regarder le film français parce que ça aiderait avec ma compréhension, peut-être. Manal, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien apprendre plusieurs langues parce que c'est mon défi. Ouais, il n'y a pas de T, Manal, à défi. Alors, on ne prononce pas, mais c'est pas grave, hein, mais il n'y a pas de T. Joseph, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien apprendre le français parce que je dois parler mieux français. Ouais, regardez Joseph, je dois, et votre verbe après, comme c'est le deuxième verbe, il doit être à l'infinitif, d'accord? Parler avec ER à la fin. Très bien, et Michel qui corrige le... parce que dans sa phrase, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, regardons ensemble si tout le monde a écrit dans le chat. Ah, Rory nous rejoint. Alors, si j'avais plus de temps, j'aimerais aller à la plage pour rencontrer avec les... Alors, oui, faites attention, Rory, pour rencontrer les poissons. Hein, rencontrer quelqu'un ou rencontrer quelque chose, parce que j'adore les animaux. Animaux, vous savez, il est bizarre, animal. Hein. Animal, ça se termine en A-L, c'est le singulier. Pluriel, animaux, A-U-X, d'accord? Et mère, faites attention ici, vous avez écrit mère comme maman, mais vous voulez écrire mère, M-E-R, pas d'accent. Très bien. Alors, bah écoutez, si tout le monde m'a écrit sa petite phrase, nous pouvons continuer. Et donc la question, c'est pouvez-vous devenir français ou française? Et je vais vous poser 10 questions. Alors, attention, nous allons commencer avec la première question. Alors, ces questions, ce sont des questions qui sont en général posées quand vous passez l'entretien pour la naturalisation française, pour obtenir la nationalité. Donc, on aura l'occasion de faire ça, ce sera assez intéressant, parce que c'est finalement découvrir la France ou la civilisation.
avec la première question ou la première chose que nous voyons ici. Que représente la France pour vous? Donc j'avais déjà posé cette question dans le cours Zoom hier, parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'aller plus loin. Alors, que représente la France pour vous? Je vous attends. Alors, il y a des retardataires, comme on dit, des gens qui écrivent les phrases pour l'exercice précédent. Mais c'est pas grave, on va regarder. Donc, Ali Ramzan nous dit, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien apprendre, Faites attention, ça doit être infinitif, D-R-E. Le français et le chinois, d'accord. Isobel dit oui. Félix, je ne sais pas comment te féliciter. Il faut écrire des phrases, Félix. Il faut apprendre le français, il faut faire des erreurs comme ça. Je peux vous aider. C'est comme ça que vous allez me féliciter. Priyanka nous dit, si j'avais plus de temps, j'aimerais bien prendre ma mère en vacances parce qu'elle aime beaucoup voyager. Très bien. Joseph, alors, ah, donc certaines personnes ont commencé à répondre. Bon, je vous donne une petite seconde encore pour répondre. N'hésitez pas, hein, écrivez. Hein. Alors, Joseph était le premier à nous dire Emmanuel Macron. Donc, pour vous, finalement, Emmanuel Macron représente la France, d'accord ? Isobel nous dit, selon moi, la France est un pays magnifique qui est plein de gens sympathiques. Alors, c'est très bien. Souvenez-vous, Isobel, que plein, en fait, ne mettez pas d'S, d'accord ? Vous allez l'écrire P-L-E-I-N, hein, qui est plein. Akanksha nous dit la culture française. Donc la culture française représente la France. Judith nous dit je pense que parce que depuis 2009 j'habite ici, mais je dois parler couramment français pour devenir française. Ben oui, oui, oui. Alors ça, Judith, c'est les questions qu'on va poser pour votre processus de naturalisation. Donc préparez-vous avec nous. Halima nous dit le développement et les cultures ou des cultures, d'accord. Alors Abir donc nous avait déjà effectivement donné la réponse dans le cours Zoom hier. Comme j'ai dit, je pense que la mode représente la France pour moi. Abir, pour avec un petit R à la fin du pour. Alors, Iquicram, pour moi la France est un pays de mode, et vous aussi vous l'avez dit, je me souviens, c'est le pays où vous pouvez trouver toutes les marques signées, ouais, signées avec un S. Rory, alors, personne, la France est un pays idéal parce que j'aime les arts et les scientifiques, et je pense que la France est très bien pour ça, d'accord, très bien. Ensuite, Priyanka, qui nous dit c'est un pays très développé où les gens travaillent fortement et habitent amicablement, ouais, amicalement peut-être ce que voulait dire. Alors ensuite Ashley, le meilleur pain, le vin et les femmes. Ne le dites pas à ma petite copine, ça restera un secret entre vous et nous tous. Ne vous inquiétez pas. Myrtka nous dit, pour moi la France représente, faites attention ça va être masculin, le plus beau, B-E-A-U, pays avec un S, avec sa culture et des endroits magnifiques.
Victoria, pour moi, c'est un pays avec beaucoup de valeurs, éducation. Tout me plaît. Oui, en fait, vous conjuguez le verbe plaire. Donc, quand vous écrivez plaît, vous écrivez juste PLAI, accent circonflexe, T. Okay? Donc, pas de tout me plaît. Mais en général, on va dire dans ce pays, dans DANS. Classis, tous les monuments, l'Arc de Triomphe, la Seine, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, faites attention, on le met au masculin, parce que cœur, c'est masculin. Le Sacré-Cœur, même chose, le Grand Palais, palais, c'est masculin, etc., etc. Beakert, les différentes cultures, il y a beaucoup de gens, il y a des cafés, des musées, des touristes pour un bon voyage. D'accord, Beakert? Mérone, la France est magnifique et il y a la solidarité. Les gens, ouais, il faudrait, Mérone, il faut mettre un verbe en fait. Les gens sont, hein, on va mettre le verbe être au pluriel, les gens sont très gentils. Et gentil, comme c'est un adjectif, vous allez mettre un S à la fin de gentil pour le pluriel. D'accord? Dickonest, bonsoir. Pour moi, la France, c'est un pays que. Alors attendez. C'est un pays, j'aime, traditionnel du pain. Donc c'est un pays que j'aime, traditionnel du pain. Donc avec le pain, vous aimez le pain. Moi aussi, Dickonest. Ça tombe bien. Sincitu nous dit la liberté de parler. D'accord. Isobel nous dit c'est le pays de la romance. Ou un pays romantique, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Ensuite, Marois nous dit. La France est un pays dont les droits de l'homme sont conservés. Ouais, faites attention, c'est un pays, vous l'écrivez C apostrophe EST1, hein, c'est un pays masculin qui accueille beaucoup de gens du monde. D'accord? Michel, pour moi, la France représente son patrimoine historique et sa beauté. Beauté, faites attention, c'est féminin. Naturel, adjectif au féminin, double LE. Entre les Alpes et la mer, on peut y trouver des coins géniaux presque partout. Alors, Manal nous dit la culture, les paysages et la sécurité. Alors, Ashley, d'accord, bah, elle commence à discuter entre vous. Moi, je ne peux pas, ça, c'est vos histoires. Ensuite, Akila, je ne suis pas française, mais pour moi, la culture et les peuples représentent la France. D'accord, très bien. Ali, Ramzan, c'est un pays avec beaucoup d'éducation, culture et une bonne place. On va utiliser plutôt l'adjectif, hein, une bonne place pour voyager. Ensuite, Joan Mao, la France est un pays de beaucoup de philosophes. Faites attention, philosophe, on écrit sans le R, hein, juste ES à la fin. Halima nous dit notamment, j'aime pas la langue française parce que c'est une langue difficile et plein de règles, mais dernièrement j'ai commencé à travailler pour les rendre faciles. Ouais, Halima, il faut pas vous stresser avec le français. C'est une langue comme les autres langues. Il y a des règles et il y a des exceptions et il faut juste prendre du plaisir. Il faut que ce soit agréable. Si c'est pas agréable et si c'est nécessaire, il faut faire une pause et puis après ce sera plus sympa. Vous allez voir, c'est une langue qui est assez facile si vous ne vous stressez pas trop avec les règles grammaticales. L'idée du français, c'est que le français doit être facile à parler. Quand vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup, beaucoup de choses en français. Alors ça, c'était la première question, enfin une question qu'on peut vous poser pendant cet entretien. Une deuxième question, et alors attention, ça, on va voir si vous le savez ou pas, quel est le nom de l'hymne national?
Alors je vois qu'il y avait encore des gens qui avaient répondu à la question précédente, donc je vais juste regarder. Alors attendez, Cosmina Bellou nous avait dit, première et deuxième question, j'aime bien la culture française, j'ai un grand respect pour le domaine très bien scientifique, l'Institut Pasteur où j'aurais aimé travailler. Faites attention à la structure, Cosmina Bellou, j'aurais aimé travailler, ouais. Donc ça c'est... D'accord, je suis roumaine. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que ce n'est pas possible? Ou est-ce que quand vous utilisez cette structure, hein, j'aurais aimé, c'est ce qu'on appelle le conditionnel passé, donc c'est pour le regret. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Daria, c'est un pays idéal, un pays avec des grands paysages et des gens aimables. Travailleur et sincère, très intelligent. Elias, la France est un pays qui est très riche culturellement, j'imagine, idéalement vous mettez un adverbe, et très important pour l'économie de l'Union européenne. Alors faites attention, oui, en français on dit UE, hein, Union européenne, hein, c'est pas grave. Julia qui dit le vin, le fromage et les hommes, je n'ai pas goûté plus. Et ça fait rire Ashley, bien sûr. Alors, ensuite, la Marseillaise, la Vincennièse n'existe pas, Julia. Allez de retour, que Dieu sauve la reine. Très bien, donc tout le monde, je pense que tout le monde l'a trouvé. Ouais, bah écoutez, félicitations à tous. Dieu sauve la reine. Bon, on en a discuté, Ashley, hein, de cette chanson-là. Souvenez-vous que, bon, on ne va pas en parler, ce serait trop douloureux, je pense, pour vous. Troisième chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que représente le 14 juillet? Alors, j'attends vos réponses avec impatience. Alors, je vois beaucoup de choses différentes. Cosmina qui nous dit le jour national. Ensuite, Daria qui nous dit la prise de la Bastille. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Jour de l'indépendance, la fête nationale, nous dit Méron. Ashley, donc, qui nous dit une journée de travail normale. 14 juillet, alors, nous dit Julia, la moitié d'été et de l'année. D'accord. Peut-être, effectivement, il faudrait calculer, hein, ça c'est intéressant. Ice Cube, ce qui est plus raisonnable et qui nous dit la fête nationale de la France. Alors, Sushmita qui nous dit la République, je ne sais pas si c'est la réponse à cette question. Abir qui nous parle de la Bastille. Alors, effectivement, c'est la prise de la Bastille. Alors, certains parlent de jour de l'indépendance, donc on est d'accord que c'est la fête nationale et qu'en général, on ne travaille pas, mais il y a bien sûr toujours des exceptions. Michel nous dit faites attention, c'est masculin, le 14 juillet est la fête nationale de la France qui représente quand la Bastille est tombée. Et la révolution a commencé. Rory nous dit c'est un jour très important, c'est la fête nationale. Faites attention, Rory, national c'est un adjectif, donc pas de préposition, d'accord? Hein, c'est la fête nationale et ce sera parfait comme ça. Donc tout le monde nous le dit, Akanksha qui nous dit c'est l'anniversaire. Non, ça n'est pas mon anniversaire. Ça n'est pas mon anniversaire. Ensuite, Halima qui dit c'est la fête
fête nationale. D'accord, très bien. Bon, oui, l'anniversaire. Oui, c'est vrai que je suis né cette année-là, effectivement, l'année de la Révolution. Alors, continuons avec la quatrième chose que vous devriez trouver. S'in situ qui dit, moi, je travaille le jour de la fête nationale. Bah, c'est dommage. Ouais. Alors, regardez, si je vous dis 1789, vous pensez à quoi? Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous avez des doutes. Certains d'entre vous ne savent pas. Judith, il faudra vous en souvenir quand vous passerez votre entretien pour la naturalisation 1789. Donc, le 14 juillet, hein, 1789, c'est la prise de la Bastille. Donc, ça symbolise, Marois nous le dit, hein, la Révolution française a commencé en 1789. Donc, ça symbolise effectivement plutôt la Révolution. Alors, Ali Ramzal qui nous dit, c'est ton anniversaire. Je ne sais pas à qui il s'adresse. 1789, mais justement, oui, je suis né juste avant, une année avant. Donc, je suis encore assez jeune. Souchmita nous dit, la Révolution française a été une période de bouleversements sociaux et politiques de grande ampleur en France et dans ses colonies à partir de 1789. Effectivement, hein, donc 1789 symbolise la Révolution, le début de la Révolution française. Et donc, c'est une grande période dans l'histoire de France. Attention, attention, c'est la numéro 5. Pouvez-vous me dire les dates de la Première Guerre mondiale, s'il vous plaît? Thank you.
Alors, je pense que c'est clair pour la majorité d'entre vous. Donc, c'est 14-18, hein, 1914-1918. Alors, Yulia qui se dit, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe en 1917? Parce qu'il y a eu un magnifique film que je n'ai pas vu. Ensuite, Abir, 1916, non, c'est de 14 à 18. Et ça fait vraiment partie, vous savez, des choses que tous les Français en général connaissent. Donc, c'est souvent les questions qu'on va vous poser. Ça, vraiment, c'est une chose que logiquement vous devriez savoir si vous devez obtenir et si vous souhaitez obtenir la naturalisation française. Sixième question, j'espère que vous êtes prêts, puisque la question, c'est pourquoi ne travaille-t-on pas le 1er mai? Alors, je vois des réponses intéressantes. Hein. Julia est la première à nous proposer. Finalement, on nous dit que ben on ne travaille pas parce qu'on fait du barbecue. Et c'est possible, effectivement. Isobel pense que on ne travaille pas parce qu'on offre des fleurs et c'est une belle chose. Ashley pense qu'on ne travaille pas parce qu'on est trop paresseux. Incroyable. Heureusement que Marwa est là. Marwa, la voix de la raison, qui nous dit. Comme pour tout à l'heure avec la Révolution française, le 1er mai, c'est la fête du travail. Abir l'avait trouvé aussi. Ensuite, Daria a pensé aussi à la même chose. Félix nous dit c'est la journée des travailleurs. Oui, c'est la fête du travail. Manal est d'accord avec ça. Irène nous dit c'est la journée internationale du travail. C'est vrai. Judith aussi. Ali l'a trouvé. Michel aussi, Cosmina Bellou, tout le monde, hein, tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde parce que vous êtes nombreux, mais tout le monde, à l'exception des gens qui pensaient qu'effectivement c'était la journée du barbecue ou des paresseux, c'est pas la réponse correcte. Numéro 7, regardez, attention, qui est l'actuel président de la République? Alors, je regarde vos réponses. dès le départ, alors Isobel, elle, avait commencé, c'était la première. Hein. Isobel était la première, félicitations, elle nous a dit Emmanuel Macron. Donc, elle a mis le prénom. Après ça, Sidgem, Sushmita, Akanksha, c'était direct, juste Macron. Le prénom, ça ne nous intéresse pas, c'est juste le nom. Dan Gutiérrez qui nous dit
Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est ta mère ou est-ce que c'est ta frère? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Alors, les autres, je regarde vos réponses. Donc, effectivement, c'est Emmanuel Macron. Ashley qui parle de son Wi-Fi qui a des problèmes. Alors, je ne sais pas. Maintenant, j'ai des doutes. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous? Classis, voilà. Classis qui est très poli parce qu'elle dit Monsieur. Monsieur Macron. Halima, faites attention. Emmanuel, on ne l'écrit pas comme ça. Alors, Julia qui. Ah, Julia qui parle de la chanson, effectivement. Alors, une chanson qui a été composée par Pierre Bachelet, Julia, hein, et qui faisait pas des musiques comme ça, mais en tout cas, c'était une chanson qui a été assez importante à l'époque, dans les années 70, de Pierre Bachelet, qui a fait quelques chansons importantes, mais qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ensuite, je regarde Dan qui pense. Ah oui, d'accord. Ah donc, Dan est plutôt là pour s'amuser. Kim Jong. Ah, c'est pas avec un K d'abord. Alors, merci beaucoup Dan. Quel joyeux. Numéro 8. Alors, on va voir ce qu'il va nous raconter Dan avec la question qui suit. Pourriez-vous citer trois monuments historiques français? Alors, regardons ce que vous commencez à m'écrire. Akila était le premier ou la première à nous dire le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel. Faites attention, en fait, comme le mot tour, c'est féminin, hein, donc on va utiliser la, hein, la Tour Eiffel. Cosmina nous dit le Panthéon, le Palais de Versailles et les Invalides, effectivement. Judith Versailles, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Sushmita, la Tour Eiffel, Notre-Dame, effectivement. Ensuite, je regarde. SG, le Palais de Versailles, le Musée du Louvre et la Tour. Très bien, alors regardons ensuite. Je dois remonter. S'in-situ nous dit Château de Versailles, Louvre, Château de Vincennes. Oui, s'in-situ, il est vraiment sympa le Château de Vincennes aussi, hein. Moi j'aime bien. Akanksha, Musée du Louvre, Tour Eiffel, la Sainte-Chapelle, ça aussi c'est bien. Ensuite, ah bah oui, mais Dan c'est bizarre. Il faut écrire en français, Dan, si vous voulez faire de l'humour. Parce que ça va être difficile, Dan, si vous écrivez dans une autre langue, d'accord? Merci. Classis, le Sacré-Cœur, le Pont-Neuf et Notre-Dame. Très bien. Sushmita, le Musée du Louvre. C'est vrai que c'est très, très connu et en tout cas très sympa. Habir, le Louvre, la Tour Eiffel et Versailles. Très bien. Ben, je pense que tout le monde a à peu près la même chose. Je regarde. Alors, Michel nous propose le pont du Gard. Magnifique endroit, le pont du Gard. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous baigner, parce qu'on peut aussi se baigner, hein, sous le pont du Gard. C'est assez agréable. L'Arc de Triomphe, le Louvre. Oui, c'est vrai que c'est très très bien. Ashley qui dit, je ne m'y connais pas en France. Bah écoutez, il faut traverser la frontière. C'est pas loin, Ashley, c'est pas loin. Une petite voiture et hop, vous découvrez la France. Victoria, l'Arc de Triomphe, d'accord. Alors, Julia qui est plutôt Père Lachaise, donc la tombe de Morrison.
D'accord, effectivement. Marois, elle, c'est la cathédrale de Notre-Dame, les Champs-Élysées, le pont d'Avignon. Hein, la ville d'Avignon, Marois, est vraiment, vraiment très, très agréable. En été, il y a beaucoup de monde. Au printemps, c'est vraiment idéal. Visiter Avignon au printemps, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Je regarde, donc tout le monde a à peu près les mêmes choses. Halima, l'école de l'architecture. D'accord, très bien. Ça, c'est des choses assez intéressantes. Ensuite, très bien. Bon, Sid Game nous propose Saint-Michel. Saint-Michel, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien Saint-Michel. Alors, oh, et alors, attendez, Félix Joseph, qui nous dit, qui nous donne beaucoup d'informations. Michel a nagé dans le pont du Gard pendant la canicule. Enfin, c'était probablement le meilleur endroit où il fallait être à cette période. Attention, on a encore deux questions. Ça, c'est la numéro 9. Quelle est la devise de la République? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, donc le E était pour égalité, le L était pour liberté et donc fraternité. Je vous l'ai laissé comme ça. Normalement, c'est dans l'autre sens, mais c'était pour essayer de voir. Voilà, donc tout le monde, je pense, le trouve plus ou moins. Hic nous dit euro. Alors, non, en fait, c'est égalité. Hein, mais donc l'ordre idéal, c'est liberté, égalité et fraternité. Vous pouvez voir en général cette devise sur les mairies, par exemple. Très bien. Ensuite, Euro, l'hymne fraternité, nous dit Halima. Oui, ce serait un petit peu bizarre, mais c'est comme vous voulez. Alors regardons maintenant la dixième et la dixième. Alors là, vous aurez plusieurs possibilités, hein, mais quelles sont? Essayez de me lister des pays frontaliers avec la France. Alors, Ashley le premier, bien sûr, à nous dire la Suisse. Ben, fallait l'écrire en français quand même, Ashley. Donc, la Suisse, on l'a, on est d'accord. Daria nous ajoute l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Très bien. Julia rajoute aussi la Belgique. Ashley Land, effectivement, puisque on va peut-être baptiser la Suisse maintenant
Ashley Land. Il deviendra le roi de Suisse. Ensuite, oui, les autres. Ensuite, Judith Nudial, Man Italy Suisse, d'accord. Alors, je regarde les autres. Sid Game, Allemagne, Espagne. Espagne, attention. Italie avec IE, Suisse. D'accord, très bien. Je regarde le Luxembourg, rajoute Cosmina Bellou, c'est très gentil. L'Andorre, effectivement. Monaco également. Alors, donc on a Cosmina Bellou, c'est une bonne liste très 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 complète, hein. L'Espagne, la Belgique, la Suisse, et en plus les articles sont très bien mis. L'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Andorre et Monaco. D'accord? Je regarde les autres. Alors, Michel nous dit lui aussi donc la France. D'accord, très bien. Très bien. Vous avez, excusez-moi de vous le dire, vous avez oublié probablement le plus grand pays avec lequel la France partage une frontière. Le plus grand. Et alors ça, je suis surpris. Je suis surpris de ne pas voir vos réponses. Alors Ashley, oui, parle d'Andorre, mais c'est pas le plus grand. En fait, le plus grand pays, ben c'est le Brésil. Le Brésil, puisque la France est aussi, n'oublions pas, de l'autre côté de l'Atlantique, on partage une frontière aussi avec le Brésil. Daria nous dit la Russie. Pas encore, Daria, pas encore. Mais il faudra voir après. Vous savez, ne parlons pas de ça parce qu'il y a toute l'histoire avec Napoléon et je pense qu'on ne veut pas refaire l'histoire. Allez, merci beaucoup. En tout cas, on va continuer si vous voulez bien. Oui, effectivement. Le Brésil, Paraguay. Pourquoi pas? Hawaï, c'est pas la plus grande. Alors, on y va maintenant. Faites attention. Maintenant, on va attaquer quelque chose qui est un petit peu moins olé-olé. Les expressions qu'on utilise avec la préposition à. On avait regardé ça tout à l'heure. J'attends. Voilà. Vous avez 10 secondes pour me donner finalement la traduction de cette expression en français. Merci. Alors là, tout le monde, je pense. On va essayer de le faire rapidement, celui-là, comme ça, ce sera pas trop long. À tout à l'heure. Bon, on pourrait l'accepter, mais idéalement, c'est à bientôt. Alors, idéalement, c'est l'idée, hein, comme j'avais introduit, comme j'avais expliqué au début, c'est d'utiliser finalement la préposition à. Hein. Donc, le point de départ, c'est quand même la préposition à. Donc, tout à l'heure, on avait à bientôt. Maintenant, on a à ce soir. Donc, on est d'accord, soir, c'est masculin. Donc, on met ce. Et là, il n'y a pas de problème. Jusqu'à maintenant, tout est clair. Alors, Judith, faites attention parce que si vous dites à minuit, minuit, c'est vraiment une heure très très précise. Ici, c'est d'une façon générale à ce soir, dans la soirée. Hein. On continue.
Alors, Isobel, c'est toujours la première. Isobel, elle est très très rapide. Et c'est bien écrit, c'est bien écrit. Après-midi, alors bon, ça dépend, hein. Normalement, on devrait l'écrire comme ça, c'est-à-dire que normalement, c'est masculin. Vous pouvez le voir aussi au féminin. Dans certains cas, on accepte le féminin, mais normalement, c'est masculin. Un après-midi. Jusqu'à maintenant, c'est correct. Et là, je dis bravo. Attention, Classis, on va utiliser quand même 7 ici, hein, à cet après-midi. Hein, donc, plutôt que à l'après-midi. Ensuite, je regarde. Sushmita, oui, c'est la même chose. Mettez quand même le démonstratif 7 à cet après-midi. X, c'est la même chose. Hein, à cet après-midi. Voilà. Bon, bah, pour les autres, c'est correct. Halima, c'est bon. Judith, à cet après-midi aussi. Faites attention, Judith. Alors ensuite, il y a des petites discussions entre Julia et Ashley, comme d'habitude. Ça papote, ça papote. Passang nous rejoint. Bonsoir, Passang. Allez, regardons celui-là et puis on va voir maintenant si vous trouvez la bonne réponse. Alors, on écrit demain, faites attention, Ali Ramzan. Hein, regardez comment on écrit sur votre écran. Donc, c'est Demain. D'accord? Mais avec la préposition, c'était bien en tout cas. Pour les autres, je vois que c'est tout à fait correct. Alors, effectivement, hein, maintenant, on a remarqué que Ashley. Alors, Ashley dit qu'il a des problèmes de Wi-Fi, mais je pense qu'il a trouvé. Quelqu'un qui est beaucoup plus rapide que lui, et c'est Isobel. Isobel est très très rapide, apparemment. Donc, Félix, c'est bien. Sinsitu, c'est parfait. X, c'est bien. Judith, c'est bien. Ice Cube, c'est bien. Victoria, c'est parfait aussi. Voilà. Ben, écoutez, on va voir. Je vais appuyer. Hein. Je vais appuyer pour tout le monde. Comme ça, vous pouvez vous lancer dans les starting blocks, comme on dit. Et hop là, attention, c'est le suivant. Alors faites attention, Manal, ouais, Manal CH, faites attention parce qu'en général on utilise plutôt avenir que futur, d'accord? Mais pas de problème, vous savez, on va comprendre, mais c'est pas vraiment le mot qu'on utilise. En général on utilise avenir. Même chose, hein, Judith. Judith, idéalement, on utilise la préposition à, d'accord? Donc à, et ici on utilise plutôt avenir. Ic, c'est la même chose. Hein. À l'avenir. Alors Ashley nous parle de. J'ai rafraîchi ma page. Bah, c'est bien Ashley, bravo. Alors ensuite, Félix, à l'avenir, d'accord. Berilla, faites attention parce que, ouais, à une autre vie. Ça, c'est des interprétations personnelles après. C'est plus de la traduction. Marwa, c'est bien. Victoria, c'est bien. Bon, bah, Isobel qui met la pression quand même à Ashley très fort. Hic, ouais, c'est bien corrigé. Parfait. Alors, regardons maintenant ça. Ah.
Alors là, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Oui, faites attention, Félix. Félix, en général, on utilise plutôt ce concept à l'heure, hein, plutôt que à temps. Alors, à temps est acceptable, mais on peut pas l'utiliser dans toutes les situations comme à l'heure. À l'heure est beaucoup plus facile à utiliser. Bickert, faites attention avec à l'heure, il n'y a pas de S à la fin. Elias qui nous dit en temps, c'est la même chose, faites attention Elias, parce que on ne peut pas l'utiliser dans vraiment tous les contextes. Alors c'est à l'heure, c'est beaucoup plus général. Très bien, alors regardons maintenant, ça continue. Alors, je regarde. Cosmina Bellou, je pense que c'est... Oui, c'est Cosmina qui nous a donné à la fois. Alors, à la fois, oui, au même temps, c'est pas un petit peu... C'est un petit peu brutal, ça fait un peu anglicisme hein, quand même. En même temps, j'aurais pu l'accepter, le EN, en même temps, mais on cherche quelque chose qui commence avec la préposition A ici. Donc, en même temps, je pourrais l'accepter, mais je préfère à la fois ici. J'ai l'impression que tout le monde, Félix Joseph l'a trouvé. Comment à la fois? Oui, ils font deux choses à la fois. Il ne faut pas faire deux choses à la fois. C'est ce que ma mère me disait toujours. Alors, à la fois ou en même temps. Si vous voulez utiliser le concept de même temps, d'accord, mais on va utiliser la préposition en, en, en même temps. D'accord? Ici, c'est avec la préposition à, donc on va utiliser à la fois. Très bien. Ben, c'est pas grave, hein. Isobel elle s'excuse, mais il faut pas s'excuser. Regardons la suite. Alors voilà, donc effectivement, c'est à plus tard en général quand c'est pas formel, quand c'est assez informel. Vous êtes avec des amis, vous allez plutôt dire à plus, et on prononce le S final. Mais l'expression c'est à plus tard. Classis nous propose à tout à l'heure, si vous préférez. À plus tard, c'est vraiment une traduction directe, hein, on est d'accord. Hic nous donne les deux options, oui. Elias nous dit à toutes, c'est comme à plus, oui. On est d'accord, Elias, c'est du français qui est du français acceptable, mais pas formel, hein, donc c'est bien de connaître toutes les options. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. À toutes, à plus, à plus tard, à tout à l'heure. Alors, à la prochaine, nous propose Cosmina aussi. Pourquoi pas? Là, c'est la même chose. À la prochaine, c'est un petit peu moins formel aussi. C'est un petit peu plus léger, on va dire. Attention, ça continue.
Donc là, je pense que c'est relativement simple. Effectivement, c'était le dernier pour finir en douceur. Faites attention, Félix, lundi, il n'y a pas de H. D'accord, donc on le met juste LUNDI. Vous n'avez pas mis de majuscule et c'est bien, c'est ce que j'attendais. Donc tout est correct, hein. C'est parfait, pas de problème. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. J'ai finalement compris comment ça marchait pour la programmation. Donc les différents live qu'on va faire sont programmés maintenant pour la semaine. Donc vous pourrez faire comme aujourd'hui ou comme là cet après-midi, vous vous connectez et je serai là. Merci beaucoup en tout cas. Donc demain c'est 10h, heure de Paris, et 16h pour le cours Zoom et 17h comme là nous avons fait pour le même cours. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit et rendez-vous demain. Au revoir.